I'm the realest one that's reppin'. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always reppin'. Eh bien, salut tout le monde, c'est Hazer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Glitch sur Rainbow Six Siege. De Glitch, je dirais pas ça comme ça, une petite vidéo où je vous donne mon point de vue par rapport à des glitches. Donc, comme vous le savez, Rainbow Six Siege, c'est un jeu qui a été fini à la piste, si on peut le dire. Bah clairement, aujourd'hui, la Xbox One a été touchée d'un petit phénomène, d'un gros phénomène même. C'est pareil que sur toutes les plateformes, il y avait le glitch du dock. Et là, sur Xbox One, uniquement sur Xbox One, encore heureux, on peut dupliquer ses fuses à l'infini. On peut dupliquer ses tourelles Tachanka à l'infini. Et les développeurs nous ont annoncé un programme en béton pour la prochaine opération. Mais avant de nous proposer des programmes comme ceci, à enlever des maps, à modifier le matchmaking, etc., etc., je pense qu'il devrait énormément se focaliser sur les glitches qu'il y a sur le jeu. Du coup, ça n'a touché qu'une seule plateforme sur 3. Mais je tenais quand même à vous le montrer pour les gens qui sont sur PS4 ou sur PC. Vous n'allez sûrement jamais être informé de ces glitches là. Mais c'est pour vous montrer un peu ce qui se passe sur Rainbow Six Siege. Faut savoir que moi, je fais des glitches sur ma chaîne, certes. C'est un contenu qui me plaît personnellement que de faire des glitches. Certains haters diront ouais tu es en train de plaindre nanana alors que toi-même tu proposes des glitches. Faut savoir que j'ai un petit peu évolué dans ma mentalité par rapport aux glitches. Certes je proposerai toujours des glitches que ça plaise ou que ça déplaise les gars. Mais je ferai un petit peu plus d'attention. Je ne proposerai pas des glitches aussi cancer que ceux que vous êtes en train de voir à l'écran. Exemple, le glitch du dock qui est assez cancer, qui marche sur toutes les plateformes. J'étais dans les premiers à être informé de ce glitch. J'aurais pu faire la vidéo. Certains disent que c'est pour faire des vues, gnagnagna, alors que c'est un contenu tout à fait lambda, tout à fait comme les autres. Mais je ne l'ai pas fait, tout simplement parce que je jugeais ce glitch-là trop cancer. La manipulation pour faire ce que vous voyez à l'écran, exactement la même que pour le glitch dock. Voilà, j'ai fait juste cette vidéo pour vous informer un peu de ce qui se passe sur le dos, pour vous faire prendre conscience des choses et que certaines personnes le font en ranked carrément, abusent un peu de ça et je trouve ça vraiment super dommage les gars. En tout cas, si vous êtes sur PC ou PS4, estimez-vous heureux les gars que ça ne soit pas arrivé sur nos plateformes. Mais tôt ou tard, ça arrivera je pense, parce que plus on avance dans Rainbow, plus il y a des trucs what the fuck qui arrivent. Donc les gars, voilà, petite vidéo informative pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur Rainbow. Donnez-moi un peu vos avis en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours le plaisir. Et je vous dis à très bientôt, c'était Hazer, ciao ciao.